C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV Plus Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir pour ce samedi 18 novembre. Suivons d'abord nos titres. Après la tendance provisoire des votes publiée par la CENI, les résultats recueillis à 11h32, le taux de participation au premier tour de la présidentielle, 18%. Sur la base des résultats issus de 5 663 bureaux de vote sur les 27 375 existants. Les observateurs internationaux, dont ceux de la SADC, ceux de la COMESA et ceux de l'Union africaine, ont à l'unanimité le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar s'est tenu dans une atmosphère calme et paisible, l'appel au boycott lancé par le collectif des candidats étant nationaux ont déploré le faible taux de participation avec l'OIF, la SADC, la COMESA et l'Union africaine lancent également un appel pressant au dialogue à l'endroit de toutes les nations pour décrisper la situation et pour restaurer le climat de confiance au nom du microcosme politique à Madagascar. Une baisse significative du taux de comparaison avec le premier tour de l'élection présidentielle de 2018 a été noté selon l'Observatoire national des élections. Ce taux est de 40% sur la base d'un échantillon de 2876 bureaux de vote, un facteur qui pourrait être à l'origine de l'instabilité du prochain régime. En Afrique de l'Ouest, au Libéria, l'ex-star du football et président sortant George Weah a été fait à l'élection présidentielle après une course serrée, ce qui devrait assurer une passation de pouvoir en douceur avec son rival Joseph Boakye, où le souvenir des guerres civiles reste vivace. Et donc, la CENI a publié la tendance provisoire des votes recueillis à 11h32 ce samedi 18 novembre. C'est 663 bureaux de vote sur les 27 375 répartis à travers tout le pays, soit 20,69% des bureaux de vote. Le nombre d'inscrits est de 2 733 000, dont 1 125 629. Les suffrages exprimés, 1 189. Le taux de participation, comme annoncé tout à l'heure, est de 41,18%. Pour les votes blancs, ils sont de 29 840, nuls de 18 347. Comme nous le constatons dans ce tableau récapitulatif, donc, le candidat numéro 1 obtient 1,3% des voix. Le candidat numéro 2, 1,28%. Le candidat numéro 3, 66,60%. Le candidat numéro 4, 1,4%. 10,35%. Le candidat numéro 6, 0,42%. Le candidat numéro 7, 0,56%. Le candidat numéro 8, 0,90%. Le candidat numéro 9, 0,90%. Le candidat numéro 10, 3,65%. Le candidat numéro 0,02%. Le candidat numéro 12, 0,23%. Et le candidat numéro 13, 12,07%. Les observateurs internationaux, dont ceux de la SADC, ceux de la COMESA et ceux de l'Union africaine, ont à l'unanimité déclaré que le premier tour de l'élection présidentielle
tenu dans une atmosphère calme et paisible. L'appel au boycott lancé par le collectif des candidats étant ses observateurs internationaux. Faible taux de participation au scrutin avec l'OIF, l'ASA et l'Union au dialogue à l'endroit de toutes les forces vives de la nation pour décrisper la situation politique actuelle et pour restaurer le climat de confiance entre les parties prenantes et du microcosme de Madagascar. Les missions internationales d'observation électorale du premier tour en République de Madagascar, dans celle de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, celle de l'Union africaine et celle de la COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, ainsi que celle de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ont émis leur déclaration préliminaire ce jour. Les missions de ces observateurs se sont focalisées sur l'observation électorale pendant le jour du scrutin. Ces observateurs ont affirmé publiquement que le scrutin s'était déroulé dans le calme et de manière tout à fait libre. Donc, on a observé en fait l'ordre des procédures dans 99% des bureaux de vote et seulement et il n'y avait pas d'irrégularité. Point K, 72% des bureaux ont été accessibles. Tous les électeurs, y compris des personnes avec handicap, pendant que 28 ne l'étaient pas. Point L, dans 98% des bureaux de vote, tous les électeurs étaient permis de voter. Ils n'ont pas manqué de pointer du doigt le faible taux de participation. La mission conjointe de l'Union africaine et du COMESA a pris acte de la durée du 16 novembre 2023. Dans une atmosphère calme, au milieu du boycott d'une frange de l'opposition. Le peuple malgache, pour la sérénité qui a prévalu le jour, cependant, elle n'est plus le mouvement des électeurs dans la plupart des bureaux de vote observés de nature à affecter le taux de participation. Ils se sont par contre abstenus de faire des commentaires sur la crédibilité du premier tour des présidentielles du 16 novembre dernier. Ils ont également déploré de constatation suprême. Malgré ce bilan serein du climat électoral à Madagascar, les missionnaires internationaux n'ont pas manqué de révéler leurs préoccupations et la crise de confiance entre les forces vives et les institutions en charge de l'organisation des élections à Madagascar, la SADC, la COMESA, l'Union africaine et l'OIF soutiennent unanimement l'utilité de l'organisation d'un dialogue politique inclusif pour assurer la stabilité et la paix après les élections. Madagascar est un membre valorisé de la famille de la SADC et votre destinée est notre destinée et nous sommes liés à notre, par rapport à notre destinée. Nous sommes une seule famille. Et aux différentes parties prenantes de faire tout ce qui est dans leur pouvoir, de pouvoir garder la paix et la stabilité de Madagascar. Par ailleurs, elle exhorte les autorités, les et autres parties prenantes du processus électoral à un cadre propice au dialogue afin de décrisper le climat politique actuel. Elle demande au gouvernement, elle prie au gouvernement de mettre en place des discussions et des dialogues nationaux réunissant tous de la nation afin de à la crise politique actuelle. Pour la SADC, le dernier rapport sur l'observation de ce premier tour sera rendu d'ici. Une baisse significative du taux de participation en comparaison avec le premier tour de l'élection présidentielle de 2018 a été notée selon l'Observatoire national des élections SAFID. Ce taux est de 43,1% sur la base d'un échantillon
76 bureaux de vote qui pourraient être à l'origine de la vulnérabilité et de l'instabilité du régime. En outre, l'observatoire Safid a tenu à montrer que le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, mais plusieurs risques ont été relevés dans l'existence de cartes électorales aux données de sécurisation des matériels de vote et le nom dur par les membres des bureaux de vote. Précision Yavana Doni sur les images de Mikhail Nevtson. Outre l'appel au boycott de l'élection présidentielle par le collectif des 10 candidats, de nombreuses raisons sont à l'origine du faible taux de participation à l'élection présidentielle et les explications apportées par l'Observatoire national des élections, Safidi. En comparaison avec le premier tour de l'élection présidentielle de 2018, Safid a noté une baisse significative du taux de participation, passé de 53,9% en 2018 selon les résultats définitifs officiels à 43,8% en 2023 à la base des bureaux de vote de Safid. Les taux de participation dans la province d'Adamanarive ont été faibles. Région d'Itas, 25%, Bougla, 27%, Vaknakarachi, 32% et Analama, 35%. Contre des taux élevés dans les régions d'Anjoui, 61%, Vatva, 59% et Anos, 56%. Pour expliquer la chute du taux de participation, Safid a relevé les points suivants. Le déficit de la confiance des électeurs envers les deux institutions électorales, à savoir la CENI et la HCC. Le refus du collectif des candidats de participer au processus accompagné par des consignes. L'environnement électoral sous tension et les mesures de sécurité, les forces de sécurité créant un climat intimidant et le ras-le-bol de la population sur l'environnement politique à Madagascar qui n'apporte rien. La situation pourrait entraîner un manque de et fragiliser les institutions de la République. Selon toujours les précisions, les observateurs déployés par la structure Safid ont été confrontés à des difficultés, entre autres les menaces de la part des membres des bureaux de vote et par le refus d'octroi de procès verbal. Il y a eu également des cas de refus d'autorisation d'inscription d'observation sur les procès verbaux. Pire, des observateurs n'ont pas été autorisés à effectuer de certains SRMV, centres de regroupement des résultats, selon toujours le rapport de l'Observatoire des élections Safid de jour. Les observateurs électoraux regroupés au sein de l'UJI, CEMAC, l'Unité économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont condamné l'appel à ne pas aller voter lancé par certains la présidentielle et autres responsables politiques lors du premier tour tenu le 16 novembre 2023, l'UJC MAC a déclaré conformément aux normes démocratiques internationales. Malgré les dysfonctionnements constatés au niveau de l'organisation technique, ces observateurs de l'UJC ont également indiqué qu'ils étaient venus à Madagascar pour surveiller le processus électoral et non pour arbitrer des conflits politiques. Le JCMAC a ajouté que malgré le fait que certains d'entre eux n'aient pas effectué de campagne électorale ni n'ont participé au vote, tous les 13 candidats ont rempli toutes les conditions pour être éligibles, puisqu'entre autres raisons, leur nom était déjà inscrit dans le bulletin unique. Voici un jet situation sur les images d'Omega Nevtson. La mission d'observation des experts de l'UJC région de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale appelle au boycott émis tel qu'on par certains devoirs citoyens et les élections présidentielles au Malagasy de saisir une fois encore l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire de leur démocratie chèrement acquise. Pour la suite, l'UJC-MAC lance un appel à un minimum de retenue à l'endroit de tous les candidats de l'opposition, de leurs partisans, pendant et après le scrutin, comptant pour la présidence. L'UJC exhorte également à sauvegarder les pays ayant prévalu jusque-là. La mission d'observation des experts électoraux de la communauté économique et monétaire du JCMAC
encourage toutes les classes politiques à surmonter les divergences politiques par des voies pacifiques et à agir résolument pour dénoncer et rejeter sans ambiguïté la haine sous quelque forme que ce soit. Recommandation. Dans la perspective des scrutins à venir, la mission des experts électoraux de UJC-MAC formule les recommandations ci-après. La poursuite des efforts en vue du renforcement des capacités des acteurs du processus électoral. Adopter dès que possible des mesures permettant d'assurer le suivi, le stockage et la mise à jour informatisée de toutes les données du fichier électoral. La présence dans le bureau des candidats regroupés au sein du collectif a été considérée comme une volonté de ces derniers de se présenter aux élections, car l'approbation de chacun des candidats a été nécessaire que leur nom. Dans ce bulletin unique, selon le chef de la délégation des experts électoraux de l'UJC-MAC. Qui sommes observateurs et qui arrivons à Madagascar parce que nous sommes à l'élection, nous savions qu'il y a 13 candidats qui allaient aux élections. Donc maintenant, si en cours de route, certains candidats ont bien voulu peut-être faire demi-tour ou bien arrêter, cela ne relève plus du rôle d'un observateur d'aller dire aux candidats d'aller continuer, ou ça ne relève même plus du rôle même forcément de la Commission nationale, parce que vous savez, on ne peut pas produire un bulletin unique avec votre photo et les emblèmes de votre parti sans votre consentement. Ça veut dire, si vous figurez, ça veut dire que vous avez accepté dès le départ de participer. La mission d'observation des experts électoraux de l'UJC-MAC considère que le premier tour des élections présidentielles du 16 novembre 2023 s'est déroulé selon les normes internationales des élections et conformément aux lois et textes de la République de Madagascar, transparent et acceptable par tous. Elle se félicite du climat général de paix dans lequel ces échéances électorales se sont déroulées de la classe politique malgache. International en Afrique de l'Ouest, au Libéria, l'ex-président sortant du Libéria, George Weah, a admis vendredi sa présidentielle après une course serrée, ce qui devrait assurer une passation de pouvoir en douceur. Rival Joseph Boakai dans ce pays où le souvenir des guerres civiles reste vivace. Reportage de France 24. 99,6% des résultats proclamés et 28 500 voix de retard. George Weah, sa défaite, il l'a fait dans un communiqué publié sur la page Facebook de la présidence. Dans ce communiqué, il explique qu'il a appelé le candidat Joseph Boakai pour le féliciter de sa victoire. Et puis, il appelle également ses partisans à reconnaître les résultats de cette élection. Ces résultats partiels, ils ont été annoncés à 17h heure locale. Ils ont suffi à déclencher de véritables scènes de liesse dans Monrovia. Nous étions à ce moment-là devant la résidence de Joseph Boakai, l'ancien vice-président, et nous avons vu affluer pour célébrer la victoire, pour célébrer la défaite de George Weah. Par le mandat de 6 ans de George Weah, notamment sur les sujets de corruption et les sujets liés à l'amélioration de leur niveau de vie. Au Moyen-Orient, à Gaza, l'armée israélienne assure n'avoir donné aucun ordre d'évacuation, mais avoir répondu à une requête du directeur de l'hôpital, affirme l'AFP. Plutôt dans la matinée, l'AFP sur place a entendu l'ordre donné par des soldats israéliens via haut-parleur d'une évacuation sous une heure. Des centaines de personnes ont quitté l'hôpital Al-Shifa de Gaza, assiégé depuis plusieurs jours par l'armée israélienne. Selon l'AFP, la situation reste confuse à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Les détails sur France 24. Même jour consécutif du raid de l'hôpital, entre toutes les attentions. Ce que je peux vous dire, c'est que la situation est assez confuse ce matin. Alors, il y a différentes sources que je vais vous citer. D'une part, eh bien, sur place, qui indique avoir entendu l'armée israélienne à travers un haut-parleur appeler à l'évacuation sous une heure.
présente au sein de cet hôpital. Une information confirmée par le ministère de la Santé de Gaza, tenue par le Hamas. Une information qui est démentie par l'armée israélienne. Directeur de l'hôpital Al-Shifa demandant l'évacuation des personnes. Ce que l'on sait, Judith, en revanche, c'est que la situation au sein de cet hôpital Al-Shifa est absolument catastrophique. Il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, plus de nourriture, selon différents témoins. Il reste des patients de leur état de santé, notamment de bébés prématurés. Cet hôpital Al-Shifa a toutes les attentions internationales, puisque je vous le rappelle, le droit international humanitaire empêche de frapper, moins qu'ils ne soient détournés de leur fonction, ce qu'affirme l'armée israélienne qui indique que le Hamas comme base arrière, ce que le Hamas défend depuis plusieurs jours maintenant. L'armée israélienne qui affirme également être entrée dans la troisième phase de son offensive qui se concentrera sur le sud de la bande de Gaza. On a déjà eu une frappe sur Khan Younes cette nuit, 26 personnes seraient décédées. Le sud de la bande de Gaza où, je vous le rappelle, la population du nord avait appelé à évacuer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir à tous.